Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Truic, Total War Three Total Kingdom. War. Je suis une grosse finesse, voilà. Donc, on vous a dit le combat et en fait, on a remodifié un peu notre plan avec Serikai, à savoir toute la cavalerie à gauche pour faire un mouvement de contournement. Oh putain, oui, c'est vrai. Tout à gauche pour faire un mouvement de contournement ici et aller les défoncer là-bas pour revenir au cas où en renfort ici. Parce que sinon, avec notre chance légendaire, on va envoyer. Comment on peut effacer les traits? Une couleur au pire. Ah. Je choisis, sinon on aurait fait une partie là, la moitié de la cavalerie par là-bas, et avec notre chance légendaire, on se serait bien fait enculer sévère par les renforts qui seraient arrivés ici. Ouais, donc on va plus se faire encercler. Voilà, exactement. Donc là, ce qu'on fait, c'est on va envoyer les unités d'infanterie. Oh merde, désolé. Voilà, allez, hop, allez, c'est quand tu veux, poteau. Allez, ils sont tous là-haut, parfait. Ouais, je les mets en mode sprint. Attention, les renforts ennemis sont là. Il y a des non, déjà il y a pas de piqué. Les renforts, c'est les clochards qui sont carrés par la flèche. Ah ouais, je sais, mais je me disais déjà. Quoi, il y a pas de piqué. Alors, la première armée en face, c'est juste un général, il y a pas de piqué. Ah bah, on rush, hein. Je vais rusher. Et les archers, je vais. Bah, limite, est-ce que j'envoie les deux armées d'infanterie? Non, j'en envoie peut-être qu'une. On va juste une partie. Honnêtement, le temps que j'arrive, je pense que ce sera la bataille sera finie. Je sais pas, mais bon, on va peut-être voir. Hein. On voit qu'une unité par unité. Hein. Ah, il y a deux unités d'archers. Je vais engager le. Je vais engager le général. Mais là, on courait, bande de connards, je qui court. Une fureur sanglante s'empare des nôtres. Ah. C'est quoi, c'est bien ça. C'est qu'elle me dit, elle a dû se faire shooter, d'être mis KO. Et du coup, bah, ils font ce qu'on est cinglé. Dans le temps que j'arrive, ça sera tout rasé. Déblayage. Oh, le déblayage. Bon, ben, honnêtement, hein. Je vais se finir parce que le temps que j'arrive, la bataille sera finie. Tiens, le renfort ennemi arrive. Ah voilà. Ok, allez, je suis parti en mode mur de bouclier. Ne peut pas courir. Ça va poursuivre la cavale, les archers ennemis. Regardez-les fuir. Pleutre. Fais gaffe à pas te faire choper par ces troupes là-bas. T'inquiète pas, je reste assez loin pour l'instant. Ouais. Bon. Il y a un peu plus d'archerie par contre. Et de l'arbalète. Elle va bien te planquer derrière moi après ou dans les arbres. Et pas, c'est prévu. Oh. Moi je vais faire la technique comme on avait fait en ville, à savoir j'ai mis mes troupes en mode mur de bouclier. Classique, ouais. Voilà, je vais me dépêcher. En fait, je vais les placer vite. Le but c'est de les attirer et qu'ils épuisent leurs ressources sur moi. Et après, ce qui serait bien, c'est que j'avance le plus loin possible. J'ai planqué ça autour de la forêt, je vais abattre leur général, leur stratège, parce que les stratèges. Ils sont bien les stratèges, mais ils sont pas très très forts au cac. Ouais. Et du coup, ça leur fait déjà un général tué. Hein. Ah, par contre, fais gaffe, l'IA est quand même bien adepte des contournements par cavalerie, donc fais attention. Bon, ouais, mais justement pour ça, je vais mettre. Allez, je vais bientôt arriver à portée de tir. Enfin, portée de tir. À portée de me faire tirer dessus. Allez, en mur de bouclier. Voilà. Allez, les tocards. Je les laisse bien s'avancer, hein, t'attends bien. Ne t'inquiète pas, hein, tout ce qui est prévu. Voilà, ça y est, ça commence à tirer. On va être nombreux par contre, ça va être chaud. Je tire sur quoi? Sur les pi... sur tout ce qui est piqué? Ouais, tout ce qui est piqué, parce que les piqués c'est vraiment une plaie. Après, si tu peux. N'hésite pas à balancer peut-être des carreaux d'arbalète sur des sur leurs cavaliers, parce que les cavaliers c'est le relou aussi. Après, n'hésitez pas à envoyer des fois bah, deux régiments d'archers qui tirent sur la même région de piqué, ça va les démoraliser, ça va les bousiller.
Si tu peux y en dire un régiment ou deux comme ça avant même le début du combat. Regarde le régiment au milieu. En plus, ils se mettent à côté des archers qui vont se prendre des flèches perdues. Tant mieux. Voilà. Et passer mieux des troupes. Là, ils tirent sur nos lanciers. Nos lanciers, nous avons perdu 5. Une trentaine d'hommes. Est-ce que je vois la cavalerie pour pousser sa cavalerie de flanc ou pas maintenant? Sur le contournement, il va attaquer peut-être probablement tes sabreurs. Ouais. J'attaque sa cavalerie parce que là, ça sent le coup sur les sabreurs. Ouais, ça sent le coup sur les sabreurs. Et Sao, il va attaquer les archers ennemis. Allez, attaque les sabreurs, tu vois, je l'avais dit. Nos troupes s'enfuient. Comme ça. Ils ont pas pris de dégâts? Ah si, ils se font tirer dessus depuis tout à l'heure. Ceux qui se font tirer depuis tout à l'heure, hein, ceux-là. Oh putain, là, ça est... Allez, débrouillez-vous, là. Auto, attaque la cavalerie. Attaque tous les archers. Nos soldats fuient. Merde, ça craint ça. Ah putain, je me fonds. Ouais, en même temps, ils se prennent de la. Ils prennent des shoots depuis tout à l'heure, les pauvres. Hop, feu à volonté. Au moins, l'avantage, c'est que vu la charge au bout des archers, ben, avec le bordel que c'est, ils arrêtent de tirer parce qu'ils sont trop occupés à essayer de fuir. Bon, l'avantage, c'est que les archers tirent plus. Viens me protéger les archers, s'il te plaît, si t'as une unité de cavalerie dispo. Ouais, j'ai plus grand chose là. Ah putain, ouais, là. Faut que je ressors. Bordel, c'est trop nombreux. Non, quoique, c'est bon, j'arrive à tirer dessus. L'ennemi s'enfuit, les lâche. Ouais, c'est bon, t'as pas besoin de m'envoyer des renforts, j'ai mes... Si, quand même, je peux péter ça. Ah, c'est bon. Mes troupes qui ont engagé. C'est où tu reviens? On a massacré tout ça en face. Ah non, c'est pas massacré, hein. Regardez-les fuir, pleutres. Garde à vous! Au combat! Je vais massacrer tout ça. T'es où? Il n'y a plus de munitions lui, donc pas au corps à corps. Allez, envoyer au cac, c'est vraiment ce sont les dernières chances. Hein. C'est vraiment quand t'as... Ils ont plus de munitions, ils ont plus de munitions et ils sont engagés les cavaliers. Bon, tant mieux. Ça servira à quelque chose alors. Toi, tu peux faire quelque chose ou pas? Oh bah mes archers là, ils tirent à distance. Nos soldats fuient, les lâches. T'as un groupe de milices à l'armée de sable qui fout rien là. Ouais, je sais. Je les envoie à côté. Battez-moi ces cavaliers. Putain. Ah, on est en désavantage. Vraiment les mettre au déroule parce que souvent ils ont un petit défaut très chiant, c'est tendance à revenir les archers si tu les fous, si tu leur fous la paix un petit moment, ils reviennent. Ouais, mais les archers oublieront, ça a plus de munitions. Plus de munitions. Il y a plus de munitions, bah. Ok, donc là, va m'engager ça, toi. Oh putain, 100 capitaines d'infanterie armés de J, quoi. Putain, mes archers sont à court de mine. Ah. Ils
Lâche-les ces archers, hein. Occupe-toi plutôt si tu peux des troupes qui fuient de ce qui est au centre de la bataille. Ok, j'arrive. Ah tiens, il y a le général, essaie de l'engager si tu peux, le champion ennemi. Ah ouais, essaie de l'engager. Ah quoi que merde, la cavalerie s'est barrée, donc voilà, je retombe dessus. Je vais engager le général ennemi, là le champion. Ah oui, et on joue en mode histoire et pas en mode romance. Ouais, c'est le mode romance, il est... Ah, cette unité se rallie. Ben, ça tombe bien, ils apparaissent à côté d'une unité qui n'a pas de morale. Qui en a qui se bat pas là? Qui ne se bat pas? Bon, je vais aller taper ça. Eux, ils fuient. Non, eux, on va se rapatrier, on va se rapprocher. Eux, ils fuient, je les fuir, j'apprendrai après. Les guerriers ennemis déguerpissent. Bonne nouvelle. Voilà, c'est bien. Allez, on va s'arrêter dans le dos là. Au centre, hein, essaye de charger si tu peux dans le centre. Hein, parce que là, on va se faire. On va se lâcher, ouais. Parfait, j'aurai tout dans le centre. Voilà, ils sont en train de prendre bien cher en bas. Enfin, putain, t'as non. Des lanciers, t'as des haches, des mecs à haches qui tiennent là. Lui, je l'envoie charger là-bas. Lui, il est là. Ah tiens, t'en as qui sont revenus là. Les guerriers ennemis des guerres. Parfait, allez, va faire une petite charonta là. Ah, je renvoie des renforts aussi pour t'aider à défoncer le général parce que le tien il prend cher quand même. Là-bas, eux ils sont en moral bas. Garde de lancier, ouais, c'est bon, ils prennent cher les gardes de lancier. Voilà, la charge de cavalerie dans le dos, ça aide toujours. C'est mortel la charge de cavalerie dans le dos. Les archers là-bas, on s'en fout, ils ont plus de mune. Voilà, c'est bon, tu me les as fait fuir, super. Tout cela, je les envoie en renfort sur toi. J'ai envoyé faire un petit peu de poursuite de ces troupes-là ennemis avant qu'ils se... Moi je m'occupe des lanciers à droite, hein. Je m'en occupe. Okay. Et ils viennent, ils repartent, c'est-à-dire qu'ils viennent, j'en bute... Il en avait 100, je commence à attaquer. Bien. Ok, donc ça, on va là-bas, on va aider au centre en plus. Là maintenant, on commence à faire du tracking, hein. Moi je m'occupe de... Ah merde, là-bas j'aurais peut-être dû... Là il y a encore des lanciers, des capitaines d'infanterie armée, donc voilà. Lui il a définitivement. Si, quand il drapeau blanc baissé, c'est qu'il y a complètement. Quand il a zéro, c'est ça? Le drapeau il est entièrement grisâtre, ouais. Ouais, ok, donc j'ai éliminé une troupe. Tes cavaliers qui se font courser par des. T'as des cavaliers qui se font courser par des lanciers. Par toi. Ou contourne et reviens vers moi, j'ai mes mecs à la hache qui viennent vers eux. Ouais, je dirais vers tes mecs à la hache. Voilà le but. Non, ici. Ah, c'est bon, je les ai. Ok, là-bas, on est bien. On a quoi comme troupe? Lui, il tape pas. Si tu tapes pas, c'est pas bon. C'est bon, on a éliminé le régiment de cavalerie. Eh hey, mais où? Pourquoi ils ont été chargés ces cons? Bon, c'est bon, je vais terminer le dernier. Ah, c'est bon. Vas-y, maintenant, traque les trucs si tu peux. Ben là, on a gagné la bataille. Ouais, mais il n'y a plus qu'à traquer les derniers petits régiments de lanciers. Ouais. Elle était pas aussi celle-là. Elle était belle. Ouais. Ah, ça a été. Mais ça, c'est le genre de bataille. Voilà. À faire en solo. Ouais, quand même, ouais, un quart d'heure la bataille, quoi. Bon, en solo, voilà, c'est chiant. Alors que là, voilà, c'était le truc. Ces genres de combat, des fois, on se serait fait défoncer le trou de balle parce que, ben, ah merde, je me fais contourner. Là, j'ai pu dire à CK, à un moment, il a fait le truc. Lâcher les troupes. Mais c'est vrai que des fois, c'est chiant, les troupes qui n'ont pas de morale. Parce que tu remets trois coups, elles se barrent. Pour un humain, parce que pour l'IA. Mais pour un humain, c'est chiant parce qu'on met trois coups, le mec, il se barre. Attends, passe en vitesse max. Ouais.
On met trois coups, ils se barrent, ils reviennent, ils se barrent, ils reviennent, et vous les oubliez, les mecs, ils vous défoncent. Vous oubliez, des fois, ce qui est pas mal, ils fuient à travers vous et ils vous rechargent par derrière. So, fais-toi plaisir, massacre-moi les derniers milices qui restent. Allez, on va terminer la bataille parce que là, franchement, il n'y a pas rien à faire. Victoire héroïque. Tu m'étonnes. C'était large défaite, théoriquement. Mais... Oh putain, ce qu'il leur... il nous reste 918 hommes. Regarde les généraux. Oh putain, Tsao Tsao. 634. Et regarde également les archers. Les arbitriers, 72-40. Ouais putain. Cavalerie mais... 300. Ouais mais piqués ils ont tenu le coup hein. Ah bah oui ils ont fait le boulot hein. Ah tu m'étonnes là franchement. Oh ouais. On a perdu 50% des troupes mais lui il en a perdu. Ah oui il y avait la garnison. Oh non c'était quoi? C'était deux rangs. Oh ça a été beau quoi. Allez, je vais reconstituer 19% de reconstitution, je prends. Dans le coup, ouais. C'est clair. 369 hommes, il lui reste, t'imagines? Ah, il a capturé 400 mecs, ouais. Ah, le siège, ça va être chaud, hein. Pour lui, pas pour moi. Bon. Et c'est à moi, justement, en parlant de ça. Ah, c'est lui qui t'avait attaqué ou c'est... C'est lui qui avait attaqué. Ah oui. Donc voilà, là, maintenant, c'est toi qui contre-attaque. J'ai délégué, pas la peine de faire chier à l'affaire. Pour 193 mecs, ex... Ah, il y a 6 renforts, fais gaffe, hein. Ça peut être dangereux. Alors, Lu Chong, ça valait le coup de déclarer la guerre? Ça valait le coup, hein. Ah, c'est lui qui t'a déclaré la guerre? Oui, c'est lui qui a déclaré la guerre. Ah merde, j'ai pas vu, on a capturé 33 mecs, t'en as perdu combien? 200? Bon, ça va, c'est rentable. Bon, bah, voilà, tous mes gars montent de niveau. Ah, c'est un beau... Ouais, beau move, là. Ah bah oui. Belle bataille. Et prochaine bataille, j'aurai le flèche-feu, alors. Ouais, ça fait plaisir. Et j'ai pris la petite cité. Parfait. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à aller attaquer le Lu Chong, qui a un petit bourg à l'ouest. Et qui par contre, fait chier. Liu Dai, ouais. Ce qui est chiant, c'est que l'autre, là, comme cet abruti de Yuan Shao, il a pris les territoires au nord, ça me coupe le déplacement que je voulais avoir vers toi. Ah. Donc bon, je me prends le sud du Yangtze, de mon côté, là. Mais bon, après, ce sera un peu un objectif. Tu déclareras la guerre, tu m'appelleras, je te rejoindrai. Ouais, je sais pas que t'es non agressant. Mais voilà, pour l'instant, on a de quoi faire sans se mettre sur la gueule avec les autres. Ah, ouais, ça c'est bon. Bon, bah, il y a juste un général, il faut que j'améliore. Toi, je vais donner la promotion Flèche de Feu. Voilà. Le bourg. Est-ce qu'on peut voir les troupes du de la ville? Tu sais que c'est une ville, ouais, normalement, ouais. Ah, les tiennes ou celles de l'ennemi? Celle de l'ennemi. Alors, quand tu sélectionnes un ennemi que tu vois, normalement, t'as... Non, mais on verra. Un petit bouton en bas à gauche qui s'appelle garnison. Ah oui, garnison. Clic gauche pour inspecter. Ouais, d'accord. Il a... Ah, oh, c'est marrant, ça. On dirait des mecs, des ninjas, quoi. Compagnie guerrière du peuple. D'accord, il a 120, 240, 330, 720 hommes. Deux compagnies d'archers, deux fantassins, il a pas de bouclier. Le seul qui a un bouclier, c'est le capitaine des guerriers. Faut qu'on voit le truc, parce que c'est un bourg, donc c'est-à-dire pas de fortification. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? En action, bah je sais qu'il y a des corps. Hop, allez, Taishan. Pour la justice. Allez, vas-y. En avant. Équipe des forces. Estimation des pertes basses. Délégué, on va pas s'emmerder. Victoire décisive. Ah bah je suis content, tu le vois, ouais. Ouais. La vertu. 139 perdus. J'ai mis 139 hommes perdus, 152 ennemis capturés. En gros, tu vas faire plus de mecs dans ton armée à la fin de la tête. Grave. Ah, par contre, on va peut-être se faire une bataille, là, contre le... Ah. Ah non, c'est quoi? Yuan Shao. Ah bah oui, si c'est de l'ennemi. L'armée, bah l'armée ennemie. Avec courage. Avec le ciel. Pourquoi je peux pas passer de déplacement? Tout en furie. Pourquoi? Il y a une flèche verte mais je peux pas te déplacer. Ah ouais merde, je suis à court. Ah bon, moi je retourne dans la ville alors. Ok, Tuang, alors là, soutien de faction 10 sur 100. Augmentation actuelle plus 30 soutien de faction. Voilà. Revenu de source, moins 30%. Ravitaillement, moins 15. Ordre public, moins 8. Et leur public, je suis à combien? Putain, leur public... Bon, ça va.
Je viens de prendre la province sur le public qui bouge pas. Après, si on, quand c'est comme ça, vous pouvez exonérer d'impôts. Mmh. Rançonner tour 1, c'est quoi ça? Son garnison ravitaillement mon plus. Ouais, donc ça fait clôt, on va le défoncer. Diplomatie. Opposer unification, il n'y a personne qui veut, hein. Pour l'instant, ouais, parce que j'ai pas assez de points. Ah, c'est vrai que moi j'ai ça, je peux unifier les peuples avec mon pouvoir. Ok, donc là, techniquement, c'est fini. Ah, si, non, je voulais voir ça vite fait. Il y a... Alors, le bâtiment. Aucune connaissance, c'est quoi ce bâtiment, hein? Vendeur de vin. Vendeur de vin, ouais, donc on avait dit, on clique droit dessus. Et le vendeur de vin, c'est un truc spécifique. Jardin de méditation. Ah non, jardin de méditation, c'est où? Jardin de méditation. Il est où? C'est pas sûr. Ah, attends, j'ai un bâtiment. Ah putain. Jardin de méditation. Clic gauche pour épingle. Par contre, moi je pense avoir un gros problème, c'est que tous les mecs autour de moi ont déclaré la guerre. Ah la purge. Ah. Enfin, il y a les Han au sud, hein, donc les Han, je suis tranquille. Alors là, tu vois, j'ai un truc, j'ai ma province, je prends Taishan, j'ai ma province. J'ai des bâtiments, tu peux, connais pas, donc celui-là, je suis d'accord, vendeur de vin, truc spécifique. L'autre, c'est jardin de méditation. Jardin de méditation, je me mets dessus, et mets le point d'exclamation, vous n'avez aucune connaissance concernant ce mal, et ne pouvez l'améliorer davantage. Vous pouvez le convertir en quelque chose. Donc si je me mets sur le jardin de méditation, théoriquement, je fais un clic droit, je devrais avoir des éléments. Et je fais un clic droit, je trouve pas mon bâtiment. Il est pas dans la liste. Ah. Bon, on va tout raser, on va pas s'emmerder. Hein. On rasera après. Ok, là on est bon, on est bon. Les thunes, bon, on a pas les masses. On finit le tour. Après, je vais défoncer l'armée du Wang Shao. Et après, je prends sa province, la province là-haut. Ah non, la province. Ah bah non, c'est les turbans jaunes, ok. Ah, ça devrait être une belle bataille. Il y a un empire des Han qui vient là-haut. Rikai. Voilà, j'ai vu le second marquis. Le pouvoir de. Oh. Yuan Shao à Wang Kuang. Putain, Yuan Shao, il me paraît un peu agressif, le BCO. Va peut-être falloir qu'on le calme. Ouais. Il y a Tao Kien aussi à l'est que je peux pas blairer. Il y a Liu Biao, putain. Elle a ramassé des traîtres aussi là. Ah, au fait, ça fait le tingling de faire l'épisode. Ah oui. Oui, on a fait la bataille, après on a fait le truc, donc on va s'arrêter là, les gens, nous vous rassure, on continue d'enregistrer. On vous dit bye bye et on se retrouve donc demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens.